gens de Togo. Tu vois que l'Afrique de l'Ouest, là, il ne faut même pas là-bas. Hein. Tu vois que les ventes. Le vent, que Dieu vous bénisse. Ok, on va le savoir, fils. Et de la blessure. Ça va. Ah, ça va. Ça va. Oh, how are you? Bonjour, papa. Ça va? Bien, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. On va là. Oui. Non, ma tête, tu nous as laissé pour nous par la porte. What's it now? Qui est responsable de mettre les choses? Qui est en train d'organiser les choses? C'est qui? Oui, dimanche, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, bon, il faut qu'on fasse des petits par rapport à où les fils sont venus. Parce que vous savez que le Cameroun est trop compliqué. On va me dire
Il y a la porte. Voilà. Il y a la porte. On va vous donner. On va parler après. D'accord. Il est où Caleb? Papa. Non, Caleb. Papa. La rue se ferme, papa. C'est fermé là, nous sommes. Là où nous sommes ici, là. Là où nous sommes. Non, non, avant vous, vous allez venir par cette porte. Non, pas ici, papa. Là, vous pensez qu'on va remettre des fleurs où? C'est dedans ici. Ah, vous voulez qu'on le fasse à nous? Non, non, ça m'est. Ah, je comprends la confusion. Ça l'est. Ça va se faire à l'intérieur. Il faut que tout le monde vienne. Oui, avec nous. Papa dit que les fleurs doivent se poser. On va faire ça dedans. On va faire tout le monde. Donc quand il faut, on va entrer par quelle porte. Par ici. Vous allez décider au milieu. Donc c'est qu'on va arriver, quand nous allons arriver, lui et la dame, ils vont aller. Et quand ils avancent, Mireille sera déjà avec Jimmy. Parce qu'elle est la seule à me relancer. Le problème, c'est que
Respirons. Ça va. Mais tu viens d'arriver. Pardon, il faut que tu t'enquies. If you come, Daddy, I'll come. Okay, Daddy, yes. Mon évangéliste, ça c'est l'homme des archives. Voilà, chers téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en direct du palais des sports de Ouarda. Vous savez, l'organisation est en train d'être menée à bien. Et nous avons beaucoup de délégations qui sont venues d'ailleurs, qui sont déjà dans la salle, beaucoup de personnes. De nombreuses personnes sont déjà là. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Il y a beaucoup de personnes encore hors de la salle. Donc, comme nous vous l'avons annoncé, le couple Tatou est en route. Et dans quelques temps, ils fouleront le sol du Cameroun. Donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui va se passer. Il m'a dit tout à l'heure que l'Éternel lui a dit que l'ange, il y a son ange qui l'attend déjà au Cameroun. Et quand un prophète dit ça, c'est très sérieux. Donc ils m'ont dit, nous sommes pressés d'arriver et nous voulons bénir le Cameroun. Et le Cameroun est béni. Vous savez, nous sommes des hommes, nous portons une responsabilité par rapport à l'Église de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une responsabilité de moindre. Nous devons être artisans de l'unité du corps de Christ. Si un homme de Dieu, par son ministère, par sa vie, par sa présence, contribue à la fragilisation de l'Église ou à sa dissécation ou à sa désagrégation, en réalité, il n'est pas en train de faire ce qui est bien. Il fait du mal à l'Église et il fait du mal à lui-même. On ne vous le dira jamais assez, l'Église n'est pas la propriété de quelqu'un. Nous sommes les serviteurs inutiles, chacun fait son temps et il part. Aujourd'hui, je suis vivant, je vous parle, un jour on dira il fut, parce que je ne serai plus en réalité. Ça devient donc capital pour moi d'être conscient de ce que je fais, de mes paroles, de mes actes, vis-à-vis de l'Église, de Dieu et vis-à-vis de Dieu et de ma propre conscience. Nous ne devrions pas avoir des barrières religieuses, des barrières interdénominationnelles entre nous. Ça ne devrait pas exister. Chacun devrait travailler pour l'unité du corps de Christ. Prenons l'exemple de l'évangéliste Doug Mills qui est en train de venir au Cameroun. Et on m'a dit qu'il sera à Bertois du 14 au 16. Et je demande au pasteur de Bertois et à toutes nos églises à Bertois
de participer du 14 au 16 juillet. Il n'y aura pas de réunion dans nos églises. Tout sera annulé. Que toute l'église Réma là-bas puisse aller à la campagne de l'évangéliste d'Acte. Vous savez que nous sommes tous ouvriers de Christ. C'est ça la vérité. On est ouvriers de Christ en fait. Et quand je prends l'exemple de notre église de Berthois, c'est une église qui, lorsque je ne suis pas là, il y a minimum 1500 personnes qui se rassemblent. Ça, c'est normal. Lorsque nous mobilisons toutes nos brebis à Berthois, faisons des cultes avec parfois plus de 6000 personnes. Ce n'est pas les jeux. Je parle en public, parce que vous voyez les images vous-même, plus de 6000 personnes. Maintenant, si je me dis, ok, l'évangéliste Dac Mills est en train de venir, et donc je vais circonscrire mes brebis pour qu'elles n'assistent pas à sa campagne, de peur de perdre mes brebis, je pense que c'est une mauvaise façon de faire l'œuvre de Dieu ou bien de comprendre des choses spirituelles. Lorsqu'un homme de Dieu arrive, c'est pour bénir l'église, et l'église, comme ça ne m'appartient pas, je ne peux pas emprisonner les brebis en fait. Je suis obligé, parce que ce n'est pas ma propriété privée ou personnelle, de dire ok, voilà un serviteur de votre Seigneur qui est venu, allons, soutenons-le pour qu'il soit une bénédiction pour nous. En fait, c'est ce qui doit être fait. Donc je demande à toutes les brebis de Réma, la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Réma de Berthois, d'être à la campagne de l'évangéliste Édouard, l'évangéliste Mills, voilà. Dac Mills. C'est un homme de Dieu, on doit l'accueillir. Lorsqu'un homme de Dieu arrive dans notre nation, accueillons-le et bien. Pour Christ, recevons-le de la part de Christ. C'est ça que Jésus a dit au décoménon prophète, eis onoma propheto, miston prophète lemsetai. Au décoménon dikaiho, eis onoma dikaiho, miston dikaiho lemsetai. Celui qui reçoit un prophète, parce qu'il discerne qu'il s'agit d'un prophète de Sarana, parce qu'il discerne qu'il s'agit d'un prophète, aura part à la récompense de ce prophète, c'est-à-dire à l'héritage, miston propheto, à l'héritage de ce prophète. Donc, que la nation camerounaise apprenne à honorer les hommes de Dieu. Honorons nos hommes de Dieu. Que l'Église apprenne à honorer les hommes de Dieu. Que les hommes de Dieu apprennent à honorer leurs frères. Je pense que dans notre nation, aujourd'hui, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est important que je le dise. Je fais partie des hommes de Dieu qui rassemblent le plus grand nombre de personnes au Cameroun. Nous n'avons pas de petite église dans cette nation. Nos églises regorgent des milliers et des milliers de personnes. Donc il y a des dimanches où on a fait culte avec plus de 15 000 personnes, un seul dimanche, Yaoundé et Douala. Ce n'est pas les jeux. Quand je fais le culte de famille, c'est redoutable. Yaoundé et Douala, on est débordé. Si on met encore Berthois dedans, on est débordé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'en un dimanche où j'organise un culte familial à Yaoundé, à Douala et à Berthois, je peux prêcher à plus de 30 000 personnes. 30 000 personnes, 35 000 personnes. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait craindre pour ses brebis, ça devrait être moi, concernant l'arrivée du couple Tatou. C'est ça la réalité. Mais toutes ces personnes ne m'appartiennent pas, mes amis. Ce n'est pas mon appartenance. Il faut que les gens comprennent. Je ne peux pas venir faire des gens pour qui Christ est mort sur la croix, mais captifs ou bien des prisonniers de ma vision. Je ne peux pas le faire, que Dieu m'en préserve. Et je ne le ferai jamais. Jusqu'à ma mort, je ne le ferai jamais. Donc maintenant, il arrive. Nous l'accueillons. Nous sommes bénis. On ne peut pas empêcher au peuple de Dieu de boire une autre source. Parce que je veux juste que ce soit ma source, que les gens boivent. C'est une mauvaise façon de faire le ministère. Donc cette complémentarité, cette collaboration entre les hommes de Dieu, elle m'est chère. Je pleure. Je vous dis la vérité. Je pleure au fond de mon cœur. Je suis très triste pour certaines choses. Mais parfois je regrette même, mais je ne sais pas si c'est un bon sentiment d'avoir appartenu à cette génération qui veut encore échouer, qui veut répéter et reproduire les erreurs que nos pères ont eu à reproduire. Je pense que chacun de nous, en tant qu'homme de Dieu, puisse prendre conscience. Un jour, nous rendrons compte à Dieu de la manière dont nous aurons dirigé et géré sa maison. Paul a dit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui
de la vérité. Donc, nous devons apprendre, tiens là s'il te plaît, devons apprendre à nous attacher aux valeurs de Christ pour sa maison et non pas à nos propres valeurs. Donc j'en appelle une fois de plus à tous les hommes de Dieu du Cameroun. Unissons-nous s'il vous plaît. Ne reproduisons pas les erreurs de nos pères. Unissons-nous. Unissons-nous. Le prophète Joël est en train d'arriver avec sa femme. Ils servent le Seigneur. Pourquoi s'élever contre des personnes qui sont innocentes, qui ne t'ont rien fait? Pourquoi s'ériger contre des personnes qui ne t'ont pris ni chèvre, ni argent? Tu parles à quelqu'un qui ne t'a jamais dit bonjour. Tu ne parles pas à quelqu'un qui ne t'a jamais dit bonjour. Ou tu ne viens pas au culte de quelqu'un, un programme que Jésus a permis, parce que quelqu'un a un problème avec quelqu'un. Parce que quelqu'un t'a dit de ne pas y aller. Si on te demande pourquoi tu n'y vas pas, tu vas dire quoi? On te demande la personne t'a fait quoi? Tu vas dire quoi? C'est ça l'église. Il faut faire attention. Je me souviens à l'époque quand je présentais mon émission chez le prophète docteur Jim Dokamdem. J'avais des assistants pasteurs, des assistants au début de notre ministère, et qui s'étaient révoltés contre moi à la fin. Mais je présentais à l'époque l'émission avec eux chez le prophète Dokamdem. Un jour, on a fini l'émission, nous sommes sortis. Ils m'ont dit que le prophète Dokamdem, c'est un sorcier, qu'il a enterré un enfant dans son hôtel, qui est un bébé. Et je les ai écoutés attentivement et je leur ai demandé est-ce que l'un de vous était là ce jour quand il enterrait le bébé vivant? Ils m'ont dit non, que c'est quelqu'un de sûr qui leur a dit ça. Et j'ai demandé, cette personne de sûr, est-ce qu'elle était là le jour où le prophète Kandem enterrait le bébé vivant dans son hôtel? Ils ont dit non. Et je leur ai demandé, est-ce que vous ne craignez pas que ce que vous dites là soit faux? Parce qu'il est écrit, et tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et beaucoup iront en enfer, pas à cause de l'adultère, pas à cause de la prostitution, pas à cause de ces péchés graves que nous fustigeons tous les jours. Mais des petites choses qui pour Dieu sont sérieuses et énormes. Ah non, arrête. Des petites choses, comme les calomnies, les faux témoignages. Racontez sur quelqu'un des choses dont vous n'êtes pas témoin oculaire. Donc faisons attention. Faisons attention. La Bible dit, tu méditeras pour le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Donc j'ai l'impression que nous, les hommes de Dieu, nous sommes très forts à prêcher le pardon. On est trop forts à prêcher l'unité. On est trop forts à prêcher l'amour. Mais on est faible dans la pratique de nos propres prédications. C'est ça la vérité. Tu vois un homme de Dieu, la haine dans son cœur. Un homme de Dieu rancunier avec quelqu'un, comme si on doit tuer quelqu'un. Même si on doit tuer quelqu'un, la Bible dit de pardonner. Les hommes de Dieu, nous sommes des mauvais exemples. Et nous avons une mauvaise influence sur les brebis mal affermis. Mais les brebis affermis, non. Ah, Désiré. Désiré où? Hein? Sarah, prends-la. Descendez. Prends-la. Elle me distrait un peu. Prends-la, porte-la. Non, 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 non. Allez, descendez. Porte-la. Non, 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 non. Allez. Donc nous sommes une mauvaise influence pour l'Église. Une très mauvaise influence. Nous qui devions être des exemples, nous qui devions être une source d'inspiration, une source d'orientation, en réalité, c'est regrettable. C'est regrettable. Un homme de Dieu qui prêche le pardon, qui est incapable de pardonner son frère. C'est ça, le mal de l'Église aujourd'hui. L'inconversion des hommes de Dieu, l'hypocrisie parmi nous, les hommes de Dieu. Et nous sommes responsables de tout ce qui arrive à l'église de Dieu. Et nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Et comme j'ai dit, je regrette de faire partie de cette génération que je vois en train d'échouer en ce qui concerne la responsabilité d'unir et d'unifier le corps de Christ. Chaque homme de Dieu a son histoire, chaque homme de Dieu a ses limites, chaque homme de Dieu a ses faiblesses. Quand je parle de faiblesse, ça ne veut pas dire que nous sommes complaisants ou plaisants avec le péché, non. Un homme de Dieu, nous le savons, on peut parler d'un homme de Dieu sans parler de consécration, de crainte du nom de l'Éternel, de la pureté, la sanctification. En fait, c'est ça même qui qualifie un homme de Dieu. Mais lorsqu'on parle de faiblesse, ça veut dire que chacun d'entre nous a son humanité. Le fait que nous sommes dans ce corps nous limite en réalité, dont la perfection est loin de nous.
en dehors de celle qui nous a été octroyée par la justice de Christ sur la croix. Donc, le fait d'être des hommes, il peut avoir des malentendus, il peut avoir des divergences d'opinion, mais ce qui pourrait nous donner la force de surmonter cela, c'est quoi? C'est l'amour de Christ. C'est Christ en nous. C'est l'effectivité, l'authenticité, la véracité et la véridicité de notre conversion. Un homme de Dieu qui n'est pas capable de pardonner pose problème à l'Église. Pas seulement pour sa vie, son ministère. Il est un danger pour l'Église. Un homme de Dieu qui ne peut pas s'humilier. On ne peut pas lui parler parce que pour lui, il est plus grand que tous. Et cette volonté d'être le plus grand, cette volonté de dominer, c'est elle qui a fait que l'Église au Cameroun est épave comme elle est. Parce que nous ne veut être un serviteur. Nous ne veut se soumettre, s'abaisser pour nettoyer les pieds de l'autre comme Jésus nous l'a enseigné. Et nous sommes responsables du mal qui arrive à l'Église. Nous en sommes la cause. Et c'est que nous en répondrons chacun devant le tribunal de Christ. La guerre de la grandeur, la quête de la grandeur, le culte de la personnalité, le plus grand, celui qui doit avoir la plus grande reconnaissance nationale ou internationale, celui qui a la plus grande renommée, celui qui a la plus grande réputation. C'est ça le problème aujourd'hui. Nul ne s'humilie, nul ne veut reconnaître le don de Dieu dans la vie de son frère. On veut que tout nous soit donné, que les autres n'aient rien. On veut que ce soit notre nom seul qui soit mis en exergue et que les autres, eux, ils soient sous notre ombrage ou bien sous l'ombrage de nos feuillages. Et c'est une erreur. Dieu ne peut pas agir dans une nation, dans une génération avec une seule personne. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas possible. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je pense que ça, c'est un peu des choses intimes que je veux parler avec vous. J'ai partagé avec le prophète Joël. Nous avons discuté. Lorsque vous regardez le prophète Joël, le Seigneur l'a béni. Dieu lui a donné, dans le prophétique, dans le domaine des rois, hein, le Seigneur lui a accordé ce qu'on appelle le livre des généalogies prophétiques. Et j'en parlais encore avec lui hier. Donc le Seigneur lui a donné le livre des généalogies prophétiques. C'est une bénédiction que nous ayons une telle visitation dans la nation. Dieu nous a donné aussi des dons excellents, des dons redoutables. Chacun a des dons que Dieu lui a donnés. Maintenant, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Dieu m'a donné une voix dans la nation. Dieu m'a donné une grande autorité. L'onction des Tishbites. C'est ça, là. L'onction des Tishbites. L'onction des Tishbites, c'est quoi? C'est une onction brute. C'est-à-dire une onction de brousse. Elle est brute. Elle n'a pas de nom. Le prophète Joël m'a dit, pendant nos premières conversations, il m'a dit que, prophète, mon frère, je ne pouvais pas imaginer que des hommes comme toi existent en Afrique francophone, dans l'église francophone. Il m'a dit, j'ai suivi tes programmes. J'ai vu des grands hommes de Dieu internationaux venir au Cameroun, non pas remplir le palais des sports. Mais toi, j'ai remarqué que tu ne fais pas de tapage, pas d'affiches dans toute la ville, pas de communication dans d'autres chaînes de télé. Parfois même à moins de quelques jours seulement, tu dis aux gens qui retrouvons-nous et tu remplis le palais des sports seul. Il m'a dit, je salue cette grâce. Est-ce que ce n'est pas l'humilité? Est-ce que ma grâce n'est pas une influence pour lui, une négative? Non. Maintenant, nous associons toutes ces choses-là. Je viens avec mon manteau, avec mon mandat, il vient avec son manteau et son mandat, nous mettons ça, ça devient quelque chose d'explosif. Donc, c'est ça, il apprécie le don de Dieu dans ma vie, j'apprécie le don de Dieu dans sa vie. Il a vu les églises que nous avons. Dimanche, il m'a dit que, homme de Dieu, mon frère, j'étais suivi avec mon épouse, on a regardé tes cultes, nous avons vu les gens à Yaoundé, on a encore vu comment Douala était plein. On voit comment dans la nation, partout, tu as des grandes églises, c'est une grâce que nous saluons, nous respectons. C'est ça, en fait, servir Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas embêté par mes grâces et par mes dons. Et il m'a dit, j'ai vu comment toi, tu prophétises. Toi, c'est cru, hein, au Cameroun, là. Toi, tu vas droit, tu dis des choses qu'au Congo, nous, on ne peut pas dire. Je lui ai dit, quand tu vas venir au Cameroun, mon frère, toi, dis-moi si je l'apprécie. Bien, je lui disais que amène-nous le livre des généalogies prophétiques pour une révolution prophétique au Cameroun. Je suis excité devant ses dons, il est excité devant mes dons. Nous parlons chacun du talent de l'autre sans complexe. Parce que nous savons tous que nous sommes des serviteurs inutiles. Il a une connaissance profonde des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Une perspicacité théologique hors pair, hors hiérarchie.
Mais de l'autre côté, lorsqu'il me coach dans la maîtrise des langues bibliques, l'hébreu et le grec, lui aussi il est dans l'admiration. Donc Dieu ne peut pas tout donner à une seule personne. Dieu m'enrichit, il t'enrichit, pas pour nous, mais pour l'Église. Et quand on se met ensemble, deux richesses ensemble, et puis ça devient quelque chose d'extraordinaire. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'étiez pas au courant de ce grand programme, je suis au Palais des Sports pour les derniers réglages et arrangements. Et vous êtes donc nos invités personnels. Si quelqu'un t'avait dit de ne pas venir, tu es en train de m'écouter, l'Esprit de Christ te dit, viens. Oui, viens. Ne te laisse influencer négativement par qui que ce soit. Ne t'engage pas dans des batailles dans lesquelles tu n'as aucun intérêt. Des batailles inconnues. Donc, s'il te plaît, laissons Christ accomplir ce qu'il va accomplir au Cameroun. Et je veux dire, en définitive, que tous ceux qui se soulèvent contre ce programme, vous perdez votre temps, mes amis. C'est une énergie que vous auriez dépensée en venant. Vous l'auriez dépensée positivement. Tous ceux qui ont pris des mesures contre ce programme, ou bien qui prient dans leurs églises contre ce programme, vous vous trompez. Je suis un mauvais ennemi. Je suis un mauvais ennemi. Je ne suis pas... Je ne fais pas l'œuvre de Dieu comme plusieurs pensent. Je ne suis pas un bon ennemi. Je suis un mauvais ennemi. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il y avait des apocrites au Pilatos. Oh, Gégrapha, Gégrapha. Pilate leur dit ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit, je ne peux plus l'effacer. Donc, ce qui va se passer pendant ces trois jours au Cameroun se passera. Et tous les hommes de Dieu, si vous manquez l'impartition, mes amis, je ne suis pas responsable de l'échec de votre ministère. Samedi, 8h12 à la Bire en Kouaban. C'est le service d'impartition. Donc, si vous manquez à ce service, pour quoi que ce soit, ça vous regarde. Il faut comprendre que nous avons expliqué. Là-bas, c'est une conférence des hommes de Dieu. Et l'inscription, c'est 50 000 par personne. Vous vous souvenez, lorsque le prophète Bouchiri Chefadé est arrivé au Cameroun, il avait une conférence au palais, c'était au stade Amadou Ahidjo. Et l'entrée, c'est 50 000. J'ai appelé Momi à l'époque, j'ai envoyé. Qu'on l'amène, elle est venue, on a entré à deux et on a suivi parce que notre frère avait quelque chose à nous donner. C'est ça le ministère, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, s'il vous plaît, dès maintenant, inscrivez-vous pour la grande conférence. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ils peuvent arriver sur place et donner leur contribution pour cette grande conférence. Dans leur contribution, faites tout pour être là. Que ton ministère soit béni et arrosé. C'est pas seulement ouvert aux hommes de Dieu, mais à tous ceux qui veulent une impartition dans leur vie. Et lundi le 27, nous aurons un service le soir pour les hommes d'affaires, les commerçants, les travailleurs, les fonctionnaires, etc., etc. Nous aurons un programme avec eux d'impartition pour les finances. Donc à partir de ce soir, des recommandations claires vous seront données pour cette conférence. Et ce sera pour les finances. Pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Ce soir, nous commençons à partir de 15h. Et le prophète Joël sera là avec son épouse. On aurait fait notre direct à 10h. Mais ils ont eu un retard dans le vol. Voilà. Donc, ils seront là ce soir. Et le programme se déroulera comme tout a été prévu d'avance, avant même la fondation de la terre. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 15h. Viens prendre ta place, elle t'attend. Toi et ta famille, ne laissons pas les enfants à la maison. Il y avait toute ta maison. Laisse Dieu te visiter. C'est une nouvelle saison que Dieu est en train de donner pour le Cameroun. C'est une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. Entre par cette porte et ta vie ne sera plus jamais la même. Donc, rendez-vous tout à l'heure et tu es mon invité spécial. Shalom. Ça va souffrir là où j'ai...
Parce qu'il est anormal que vous comme maître de l'école, parce que les inconnus peuvent être derrière vos fils. Parce que vous pouvez vouloir quelque chose dès que le regard peut attirer l'attention. Vous pensez donc que les pasteurs et les mamans Vous voulez les pasteurs? Pourquoi? Et ici, disons que ça, un, deux. On prend les deux ici. Derrière vous, on met les fils du père. Derrière vous, les deux. Mais derrière nous, on peut mettre les étrangers. Il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'entre nous et Dieu, il y a une barrière. Mais on ne peut pas laisser directement derrière vous les gens qui vont. C'est ça, moi. D'accord. Une bonne envoi. C'est ça, là. Il y a une communication permanente. Madame, c'est bon? Oui, parce que là-bas. Ah non, tu me déranges. Non, non. Oui, au sol. Là, non, tu dis ça. Bon, les fiches des prophètes seront ici et là. Hein? Les deux carrés en haut là, les hommes de Dieu, pasteur, en haut là-bas. Ici, c'est les mamans, les membres de l'église. Les mamans qui seront tenus. Le reste, ils sont en bas. Vous avez compris, non? Les pasteurs en haut là-bas. Là et là, pourquoi tu dis où les gens s'assoient déjà là? Je vais une liste avec les MD, je vais vous donner le nom des gens qui vont venir. Vous allez mettre leur nom sur les chaises. Les hommes de Dieu qui m'ont appelé avec leurs épouses. Quand ils arrivent, ils demandent. Mes amis, il faut comprendre que nous sommes en train de réécrire l'histoire de l'église au Cameroun. Ce n'est pas un jeu. Donc quand on vous dit d'être en costume et tout ça, là, tout la nuit, c'est seulement vous montrer ce que la présidence est en train de faire par rapport à ce programme. Les oreilles sont ici, regardez ce soir. Donc ce n'est pas un jeu. Présente toute une nation, tout un représentant, un mouvement qui est en train de naître, c'est une nouvelle flamme, c'est une transition entre deux saisons, entre deux dispensations. Mais il faut faire des choses en tant qu'ancien. Je dis qu'après ça, on doit avoir une semaine de retraite pour que ces choses restent au Cameroun. Amen. Amen. Qui le voit, 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 qui le voit
ceux qui ont le match pour se battre, ceux qui n'ont pas le match pour se battre. Ceux qui ne sont pas prêts à le faire, ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Ceux qui ne sont pas prêts à le faire, ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Ceux qui ne sont pas prêts à le faire, ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Ceux qui ne sont pas prêts à le faire, ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Tu dois la porter à Raïssa. On a embêté. Tu dois la porter à Raïssa. On a embêté. C'est qui a perdu son mari dernièrement? Hein? En Rousseau, oui, tu la connais. Hein? Donc elle sera là. Dès qu'elle arrive, pardon, je ne veux pas de frustration. Les places, les personnes que j'ai listées ici, ce sont les personnes qui m'ont appelé. Donc vous allez mettre leur nom sur des formats, mettez sur les chaises. C'est réservé. Elles arrivent. Là, mon évangéliste. Donc, ils sont là. Bon, maintenant, le frère Martial, vous savez que c'est mon petit frère. Fais attention, mais c'est lui qui va vous expulser. Je vais informer mon grand. Bon, je pense que ça, c'est la liste de ceux, si je n'ai oublié personne. Ça, c'est les gens qui doivent mettre devant, avec les noms, hein, sur les chaises, pour coller. Vous collez, s'il vous plaît, sur le format, informant. Avec le peu, vous collez. Derrière le premier rang. Costume.
La question que j'ai posée, c'est lui. Que ça va, c'est lui. Que ça va, c'est lui. Non, non, pour nous, on parle pour nous. Vous ne comprenez pas. Même la vie, c'est parce que lui, ce que Dieu pose la question. Non, mais c'est bien ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais poser la question. Non, ça va, ça va. Il n'a pas pressé. Il a dit. Attendez, qui était là quand le pape a parlé? Il a bien parlé. Comment pose une question tout le monde à votre Bon, maintenant là, ça là, ça c'est mon fils, hein, le reverend Nassis. Où sont les autres? Où est ta part? Ça, tu es quel grade? Lieutenant. Bon, lieutenant là, bon, maintenant ça c'est quoi? Ça c'est la plaque. Ça, c'est la plaque. Donc, quand tu sors là-bas, tu sors ces gens. Donc, même après le ventre est venu. Parce que ça c'est la plaque ici là, et ça c'est la carte ici là. Mm-hmm. La carte du ventre. Mm-hmm. Ça c'est la carte du ventre. Maintenant, ma deuxième carte est venue. Regarde là, la peau de mon sable, la peau de mon sable. Du ça veut dire quoi? Tu vois le passeport? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il donc, après ça, je prends le violon. Ils ont l'équipe comme ça pour avoir accès à la prison là où on est. Et partout, à l'école de chez moi. Donc, la suite de prison pour l'entrée. Juste un petit diplomate. Est-ce que vous avez un peu de violon?
Avec ça, D'accord, félicitations à vous. C'est bien. Ok, mes amis, s'il vous plaît, discipline absolue. Discipline absolue. Les yeux de l'église sont sur vous. Discipline absolue et en même temps courtoisie absolue aussi. Vous savez, c'est tout le monde qui est heureux sur vous. Donc vous êtes conseillé juste pour les hommes de Dieu. Vous êtes à l'entrée là. Un homme déjà arrivé. Imagine, un homme déjà arrivé dans la cour, il se présente sur le col, on l'envoie chez vous. Et vous, chez vous. Il y a des bases supplémentaires, c'est un homme qu'on va Amen. On va vous donner ça. Bon. Parce que vous avez les clés. Et dites-nous ce soir, il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a. Oh, il y a nous, c'est ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a. Les bases sont où? Pour leur donner les bases des pasteurs. Et des fiches. C'est eux qui gèrent ça. Tu comprends? Et c'est combien de bases? Il y en a au moins 200 pour les fils. Pour les pasteurs, il y en a 50. Demande au monsieur là bien. Ok. Il y a eu des préoccupations. Oui. Et quand vous les fils du parc de bord, est-ce qu'on peut les montrer ici? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est au moins 100 places là-bas. Je vais prendre quelque chose. D'accord. Oui. Désolé, tu dis que tu as dit combien? 210. C'est 220. Thank you.
Se déplacer pour cet événement. C'est un rendez-vous du peuple de Dieu, un rendez-vous capital, un rendez-vous de réveil. Voyons que la participation de chacun est une bénédiction. Ah. Ok, ok,
Non, c'est d'abord deux places. Et regarde, là, ça passe deux jours après ça. Ne jugez pas le téléphone à l'apparence. Ça, c'est des grands téléphones. Filmez bien, parce que c'est pas bien filmé. Tu as les problèmes. C'est bon. Pourquoi tu te plies comme ça là, mon frère? Les gens de Côte d'Ivoire. Comment tu es seul, mon frère? C'est quel genre? Perfect. Ça te multiplie. Good. Thank you, sir. Thank you. Tu m'as mal filmé, je te jure. Je te jure.